Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Dali. Aujourd'hui, j'ai opté pour une recette très facile, celle d'un délicieux potage d'haricots blancs et de carottes. Comme ingrédients, vous utiliserez des haricots blancs secs trempés dans de l'eau pendant toute une nuit. Le lendemain, vous les faites cuire pendant 20 minutes et les égouttez. Sinon, vous utiliserez des haricots en conserve. Aussi, vous aurez besoin d'un gros oignon râpé, du persil haché, 4 gousses d'ail râpées, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une grande tomate râpée, 2 cuillères à café de coriandre en poudre, un petit piment vert et comme épice, 2 cuillères à café de cumin en poudre, une cuillère à café de paprika et une demi-cuillère à café de poivre noir, 4 grandes belles carottes coupées en rondelles et enfin un bouillon de poulet. Dans une cocotte en fonte, on met un bon filet d'huile d'olive et on fait revenir sur un feu moyen l'oignon et l'ail râpé pendant 3 minutes. On rajoute ensuite les haricots blancs, les rondelles de carottes, le persil frais, la coriandre en poudre, les épices et le sel. On mélange bien, puis on rajoute la tomate râpée et le concentré de tomate. On mélange encore une fois et on couvre et on laisse mijoter pendant 3 minutes. Ajoute par la suite le bouillon de poulet, le petit piment vert qui est facultatif et on complète avec un verre d'eau chaude. On couvre et on laisse cuire sur un feu très doux pendant 45 minutes. Après les 45 minutes de cuisson, ajoutez une cuillère à café de cumin, du persil haché et un bon filet d'huile d'olive. Remettez le couvercle, éteignez le feu et laissez reposer pendant 20 minutes avant de servir. Ne négligez surtout pas cette étape car elle fera toute une différence lors de la dégustation. Voilà pour vous un savoureux potage aux haricots blancs très succulent à servir très chaud, surtout que c'est l'hiver qui arrive. Bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.